Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, dans cette capsule, qu'est-ce que la spiritualité? Une exploration, n'est-ce pas, profonde de l'être au-delà des croyances. La spiritualité transcende des simples croyances religieuses pour toucher une dimension plus profonde de l'existence humaine. Elle se manifeste, dans la manière de vivre, d'aborder l'existence et de percevoir la réalité au-delà des apparences sensorielles. Croire en quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent avec le cœur, est au cœur de la spiritualité. C'est une voix intérieure qui nous guide et nous inspire. Un soleil, un beau soleil intérieur qui éclaire notre chemin. Écoutez avec son cœur. Oui. Écoutez avec son cœur plutôt qu'avec son jugement. Cela est essentiel pour cultiver nos qualités et vertus. Contrairement à la religion, la spiritualité n'est pas une affaire de dogme, mais une culture du cœur. Bien, la spiritualité comme mode de vie. Une présence attentive et réceptive. La spiritualité, se manifeste dans la vie quotidienne à travers une attitude d'ouverture, de présence et de perceptivité. Vivre spirituellement, cela signifie être pleinement présent dans chaque moment, accueillir les expériences avec un esprit ouvert et surtout sans jugement. Cette présence, permet de voir au-delà des apparences et de percevoir la profondeur et la signification de chaque instant. Par exemple, la pleine conscience, pratiquée dans de nombreuses traditions spirituelles, consiste à être attentif à ses sensations, ses pensées et ses émotions sans les juger, et ainsi permettant une connexion beaucoup plus profonde avec soi-même et le monde. La connexion avec l'univers, cette approche de la vie implique également une connexion avec quelque chose de plus grand que soi, que ce soit à travers la nature, l'humanité ou l'univers, la spiritualité invite à ressentir cette interconnexion. Par exemple, le sentiment de faire partie intégrante de la nature et de ressentir sa beauté et sa puissance, peut éveiller une profonde spiritualité. Cette connexion se traduit par des actes de compassion, de générosité et d'amour, des qualités universelles qui transcendent les frontières des croyances religieuses. La quête du sens. Vivre spirituellement implique également une quête de sens. Les individus spirituels cherchent à comprendre le but de leur existence et à vivre en accord avec leurs valeurs profondes. Cette quête de sens peut se manifester à travers des questionnements philosophiques
des pratiques méditatives ou une exploration des traditions spirituelles et mystiques du monde. Par exemple, lire des textes sacrés ou philosophiques, participer à des retraites spirituelles ou engager des discussions profondes sur la nature de l'existence, eh bien, peuvent être des moyens de nourrir cette quête. Il y a aussi la perception intérieure, c'est-à-dire l'œil perçoit, le cœur ressent. L'intuition et la sagesse intérieure. Croire est bien en ce que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent avec le cœur, eh bien, c'est une expérience centrale de la spiritualité. Cette perception intérieure, souvent décrite comme intuition, n'est-ce pas, ou encore sagesse innée, eh bien, guide nos actions et décisions. Par exemple, eh bien, face à une décision difficile, écoutez cette voix intérieure, même si elle défie la logique rationnelle. Elle peut mener à des choix plus alignés avec notre véritable nature et nos valeurs profondes. Il y a aussi le calme et la réceptivité. Cette voix intérieure, eh bien, se manifeste particulièrement dans les moments de calme et de réceptivité, lorsque nous nous permettons d'être en silence, d'écouter et de ressentir, eh bien, nous accédons à cette source de guidance et d'inspiration. Elle est comme un soleil intérieur, éclairant ainsi, eh bien, notre chemin et nous aidant à naviguer dans la vie avec plus de clarté et de paix. Les pratiques méditatives, eh bien, telles que la méditation de pleine conscience ou la prière contemplative sont des moyens privilégiés pour accéder à cette sagesse intérieure. Et puis on a la méditation et la contemplation. La méditation et la contemplation sont des pratiques essentielles pour développer cette perception intérieure. La méditation permet, eh bien, de calmer l'esprit et de se connecter à son moi profond, tandis que la contemplation encourage l'observation et la réflexion sur la nature, eh bien, de l'existence et de la réalité. Par exemple, la méditation peut aider à développer une conscience accrue de ses pensées et émotions, facilitant ainsi, eh bien, une connexion plus profonde avec son intuition. La contemplation, en revanche, eh bien, peut inclure des pratiques comme l'observation de la nature, la lecture de textes sacrés ou philosophiques, ou encore la réflexion sur des questions existentielles. Bien, il y a la culture du cœur, c'est améliorer nos qualités et vertus, n'est-ce pas? C'est un travail intérieur. La spiritualité demande avant tout une culture du cœur. Il s'agit de développer et d'améliorer nos qualités humaines et nos vertus. La patience, la tolérance, la bienveillance, la gratitude et l'amour sont des valeurs fondamentales que la spiritualité encourage à cultiver. Ce processus est un travail intérieur
qui requièrent de l'introspection, de la pratique et de la discipline. Par exemple, la pratique régulière de la gratitude en notant chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants peut transformer notre perspective et nourrir notre bien-être émotionnel. Nous avons aussi la quête personnelle de croissance. Contrairement à la religion, n'est-ce pas, souvent perçue comme une série de règles et de croyances à suivre, la spiritualité est une quête personnelle de croissance et d'épanouissement. Elle nous pousse à devenir, de meilleures versions de nous-mêmes, non pas par peur de la punition, n'est-ce pas, ou par espoir de récompense, mais par un profond désir de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Par exemple, la pratique du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même, peut être un puissant acte de croissance spirituelle. La transformation intérieure, la spiritualité implique souvent une transformation intérieure profonde. Et ce processus de transformation peut inclure la guérison des blessures émotionnelles, le dépassement des peurs et des limitations, et l'éveil à une conscience plus élevée. Par exemple, des pratiques comme le journalique, la thérapie ou le travail avec des guides spirituels peuvent faciliter cette transformation. La transformation intérieure est souvent un chemin long. Oui, il peut être long le chemin et il peut être aussi parfois douloureux, mais il mène à une plus grande liberté intérieure et à un sentiment accru de paix et de plénitude. La spiritualité et la religion, il est nécessaire de faire une distinction. La religion, des structures et des dogmes, il est crucial de distinguer la spiritualité de la religion. La religion est souvent structurée autour de doctrines, de rituels et d'institutions. Elle propose un ensemble de croyances et de pratiques visant à relier les individus à une divinité ou à un principe supérieur. Ces structures peuvent offrir un cadre et un soutien, mais elles peuvent aussi être limitantes si elles deviennent trop rigides ou dogmatiques. Par exemple, certaines traditions religieuses peuvent imposer des croyances spécifiques sur la nature de l'univers ou la moralité, ce qui peut parfois, entrer en conflit avec l'expérience personnelle de la spiritualité. La spiritualité, en revanche, est une expérience plus personnelle et intérieure et universelle. Elle ne nécessite pas de médiation extérieure et ne s'appuie pas sur des dogmes figés. Elle est une quête de sens et de connexion qui transcende les cadres religieux et qui peut être vécue indépendamment de toute affiliation religieuse. La spiritualité est universelle et accessible à tous, quelles que soient les croyances ou les traditions culturelles. Elle invite chaque individu, à explorer et à découvrir sa propre vérité intérieure.
Par exemple, des pratiques comme la méditation, la contemplation de la nature ou encore l'art peuvent être des voies spirituelles en dehors de tout cadre religieux. On a aussi la complémentarité possible. Cependant, eh bien, il est important de noter que la spiritualité et la religion ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Pour beaucoup, eh bien, la religion peut être une voie d'accès à la spiritualité, offrant des rituels, des communautés et des enseignements qui nourrissent leur quête spirituelle. Par exemple, eh bien, certaines personnes trouvent dans les cérémonies religieuses une profondeur spirituelle qui les aide ainsi à se connecter à leur moi intérieur et au divin. D'autres, eh bien, peuvent combiner des pratiques spirituelles de différentes traditions religieuses pour créer un chemin spirituel personnel et unique. La spiritualité et la vie quotidienne. Intégrer la spiritualité dans la vie quotidienne, dans chaque acte, eh bien, ça signifie infuser chaque acte de conscience et de présence. Que ce soit en préparant un repas, en travaillant ou en interagissant avec les autres, eh bien, chaque action peut devenir un acte spirituel lorsqu'elle est réalisée avec attention et intention. Par exemple, eh bien, la pratique de la pleine conscience, qui consiste à être pleinement présent et attentif à l'instant présent, peut transformer des tâches ordinaires en expériences profondément significatives. La spiritualité se manifeste également dans la pratique de la gratitude et de la compassion. Cultiver la gratitude en reconnaissant et en appréciant les aspects positifs de la vie peut transformer notre perspective et nourrir notre bien-être émotionnel. De même, n'est-ce pas, la compassion qui consiste à ressentir et à agir avec bienveillance envers les autres est une expression puissante de la spiritualité. Par exemple, des actes simples de gentillesse, comme offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin, ou alors écouter avec attention une personne en détresse, eh bien, tout cela, ce sont des manifestations concrètes de la spiritualité. La connexion avec soi-même et les autres, eh bien, elle nous invite, la spiritualité, à une connexion plus profonde avec soi-même et les autres. Cela peut inclure des pratiques de réflexion personnelle, comme le journalique ou la méditation, ainsi que des interactions authentiques et significatives avec les autres. Par exemple, prendre le temps d'écouter véritablement quelqu'un, de partager des moments de silence ou de participer à des communautés spirituelles. Eh bien, cela peut renforcer cette connexion. Voilà, et en conclusion, eh bien, la spiritualité est une dimension essentielle de l'existence humaine qui transcende les croyances et les dogmes. Elle se manifeste, eh bien, dans la manière de vivre
et d'aborder la vie, en cultivant les qualités du cœur et en écoutant notre voix intérieure. Elle nous invite à percevoir la vie avec plus de profondeur et de sens, à être guidés par notre soleil intérieur. La spiritualité est une quête personnelle d'épanouissement et d'harmonie, une culture du cœur qui enrichit notre vie et celle des autres. Elle n'est pas une question de religion, mais une manière d'être et de vivre en connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Ainsi, la spiritualité nous offre une voie vers une existence plus riche, plus significative et plus harmonieuse, en nous connectant à notre essence profonde et à l'univers qui nous entoure. Elle nous enseigne à écouter avec notre cœur, à cultiver nos vertus et à vivre avec une conscience éveillée et aimante. Par l'intégration de pratiques spirituelles dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre vie et celle des autres en apportant plus de compassion, de gratitude et de présence dans le monde. En définitive, la spiritualité est une invitation à vivre une vie plus authentique et épanouie, en harmonie avec soi-même, les autres et l'univers. Voilà, je termine ici cette capsule. Et pour ma part, nous avons un créateur. On le nomme comme on veut. Et ma spiritualité est d'être une meilleure version de moi-même. Rectifier, mes défauts que j'ai dans cette vie, de mes autres vies, mettre en lumière cette partie sombre qui est en moi, en y travaillant journalièrement. Et je peux vous dire que c'est un travail journalier. Si on veut être une meilleure version de nous-mêmes, ça se travaille tous les jours. Je vous souhaite une lumineuse journée et on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Prenez soin de vous. À très vite.